C'est ici, à l'extrême nord de la Tanzanie, que vivent les Maasai, l'une des plus petites minorités du pays. Ces pasteurs semi-nomades représentent moins de 1% de la population. Les Maasai sont pourtant un peuple de légende, l'un des plus emblématiques de tout le continent africain. Depuis le 19e siècle, avec les récits des premiers explorateurs, les Maasai ont aussi la redoutable réputation d'être de féroces guerriers. Qu'en est-il réellement? C'est ce que nous allons essayer de découvrir en partageant le quotidien d'une communauté Maasai durant 2 semaines. Mais à cet instant précis, Mélissa Torio ignore tout de sa destination. Il l'a ramené en entier, hein, je compte sur vous. D'accord, Fred? Je te casse la gueule. Elle sait juste qu'elle a rendez-vous en terre inconnue. Merci, monsieur. Alors, votre passeport, s'il vous plaît, monsieur. Alors, j'ai 2 passeports parce que, à la seconde où je vous parle, la journaliste Mélissa Torio est dans un taxi. Elle arrive vers l'aéroport. Elle sait qu'elle s'envole au bout du monde, mais elle ne sait pas où. C'est vrai que c'est une chance inouïe, quand même, de vivre cette expérience. Où que j'aille, je sais que ça va être une expérience forte. Vous seriez dans quel état, vous? Curieuse. C'est vrai que... C'est pas curieuse, mais j'apprendrai quand même un petit peu. J'ai vraiment le petit stress de me dire que je m'envole vraiment et puis j'espère que ça se passera bien. Mais ce n'est que de l'humain, c'est que de la rencontre, c'est tout ce que j'aime. Alors voici les 2 passeports. J'ai choisi un métier qui me permet d'être en contact avec des gens qui sont loin de moi. Mon plaisir aussi, d'habitude, c'est de savoir qui je vais rencontrer, comment ils vivent, comment ils vont arriver à me révéler ou me parler. Et là, c'est tout l'inverse. Donc évidemment, ça m'angoisse parce que je sais pas faire. Pour les vêtements, c'est nous qui avons fait les bagages. Donc elle a fait des essayages, elle a essayé le chaud et le froid, et c'est nous qui avons fait la valise. Pour une femme, quand on fait pas son bagage, on n'est pas trop ça en général. C'est vrai. Vous n'allez rien lâcher comme indice. Mais j'adorerais le froid. Mais là, d'un coup, c'est beaucoup moins drôle. Hein. Non, là, c'est pas possible. Et là, ce qui est bien, c'est que je peux envoyer quelqu'un d'autre. Parce que va dire que je suis dessous. C'est cool, là, Bora Bora, direct. Hein. Le chaud. Chiant aussi, quand même. Une bonne jungle. Non, je suis pas du tout bien dans tous les... Du tout. En Argentine, Patagonie. Non? Ah ouais, j'aime pas les grosses bêtes. Ça, c'est rigolo, mais on y voit. Regarde. Ouais, vous brouillez toutes les pistes, c'est pénible. C'était un agréable voyage. Merci. Bonjour. Bonjour. Bon, vous savez que ça va super bien, c'est la question, c'est à vous que je la pose. Très bien. Ah oui. Moi, j'aimerais être dans votre tête, dans votre cœur, ou je sais pas où, à l'instant présent. C'est-à-dire, c'est quoi la confusion des sentiments? C'est l'excitation de partir, parce que j'en ai très envie. C'est une chance que j'ai envie de saisir, et puis en même temps, j'ai du stress de vraiment ne pas savoir où on va, pas le temps de me poser des milliards de questions. Donc c'est l'excitation, oui. C'est l'envie de savoir, là. Il y a une curiosité qui devient quand même un peu lourde à porter toute seule. Vous savez qu'à la seconde où je vous parle, il y a une famille qui vous attend quelque part dans le monde. C'est génial. C'est génial d'imaginer ça. Ils nous attendent, quoi, c'est sûr. On y va ? Oui. J'ai une boule dans le ventre, là, quand même, ce juju. C'est vrai ? Je mentirais de dire que je suis pas stressée. Vous qui êtes journaliste, on vous imagine voyager beaucoup. Est-ce que ce sont des voyages qui s'approchent de ce qu'on va faire? Ce qui me plaît vraiment, là, la chance que je vais saisir, c'est de n'avoir rien préparé. J'ai pas ouvert un bouquin, j'ai pas essayé de savoir. Et ça, c'est inouï, je l'ai jamais vécu, du coup. Jamais j'ai approché ça. De quoi est-ce que vous auriez peur? En fait, j'ai peur de... De pas être comprise, de rater, je sais pas... De pas être comprise, c'est joli, ça. Ouais, j'ai peur de pas être comprise. Bah, oui, quand même, c'est un monde qui nous sépare, sans doute. Donc, je sais pas, de pas faire des choses déplacées, d'arriver à gérer aussi des petites phobies, je sais pas. Lesquelles? Bah, des nouvelles que je vais découvrir. Je suis sûre que j'en ai plein, j'ai pas été capable de les dire. C'est vrai? C'est sûr.
Mélissa Torio, vous pensez que vous allez lâcher prise? Et j'espère. Ouais, je pense. Pour le son, vous me dites si c'est bien. Ça va? Putain, c'est angoissant d'adorer moi. J'ai pas gardé ça jusqu'à ce qu'on décolle quand même. Si, si. Non, mais pas jusqu'à le décollage. C'est impossible. Non, mais je vais avoir les yeux comme ça jusqu'à la fin. Dans 2 heures. C'est un truc de fou quand même. Savoir? Ah ouais, j'en peux plus. Je veux savoir. Très long, tu sais. Mélissa, je vous emmène à la rencontre d'un peuple que tous les voyageurs rêvent de rencontrer. Je vais vous dire où ils habitent. Peut-être que les sonorités vont vous donner un indice. Mmh. Alors, c'est un peuple qui habite dans une nature grandiose. Génial. Entre le mont Gelai et le volcan Oldoino Lengai. Je suis nul en géographie, en tout cas. Mais la sonorité, les sonorités, les sonorités. Ouais, mais ça fait hispanique, non, Lingay? Je sais pas, Amérique latine. Je vous amène à la rencontre d'un peuple de légende, il s'agit des Maasai. C'est pas vrai. C'est pas possible. Alors, on va voir des Maasai qui vivent dans une région extrêmement préservée, au milieu d'une faune exceptionnelle, au bord du lac Natron, au nord de la Tanzanie. C'est mon rêve en plus, ce coin-là. Ils ont la réputation d'être des guerriers sanguinaires. On va savoir si c'est vrai ou pas. Oui, je me doute bien qu'on va découvrir autre chose. Qui sont les Maasai au 21e siècle? C'est important d'essayer de comprendre parce qu'ils ont des traditions extrêmement puissantes. Leurs terres sont aujourd'hui très convoitées. Mmh. Est-ce que leur avenir est entre leurs mains? C'est la question qu'on se pose. Et ouais. ils sont au courant, quoi. Bon, et ils sont non seulement au courant, mais très impatients de vous recevoir, de vous faire découvrir leur culture, dont ils sont très fiers, en fait. Je suis super contente. Je vais les découvrir. L'information récente que je peux vous donner, c'est qu'il y a une semaine, le volcan dont je vous ai parlé a grondé. Ah bon, les Maasai l'ont entendu. Il est en activité. Chez les Maasai, en bas d'un volcan qui peut se réveiller, avec des Maasai sanguinaires. C'est génial, le truc. Je viens de laisser mes deux petits. Et c'est qui nous accueille? Ils sont combien dans le village? Ils sont beaucoup? Plein de questions! Plein de questions! La réponse dans quelques heures. Merci, merci à vous. Tanzanie. Génial, on y va. On y va? On y va. On y va? Sèche, on est bien, c'est vrai. Ça fait du bien d'avoir fini avec l'avion. Je suis content d'être au sol là. Parce que vous pensez qu'on a terminé avec l'avion? Ah oui, ça fait combien? Ça fait 20 heures qu'on vole, je pense qu'on va pas se faire un troisième avion. Non. C'est celui-là? My name is Drunk. My name is Frederick. Very nice to meet you. Hello. Hello. Welcome. Il s'appelle Drunk, c'est mauvais signe quand même, non? Drunk, your name is Drunk? Almost. Ça veut dire bourré, quand même. Jack Daniels? Jack Daniels? Yeah. That was my grandfather. No. Jack Daniels? No. Nous quittons la fraîcheur des pentes du Kilimandjaro pour l'ouest du pays. Direction la vallée du Rift, la plus grande faille géologique au monde, qui un jour coupera l'Afrique en deux. C'est là, au cœur du berceau de l'humanité, que nous allons survoler le dernier volcan actif de Tanzanie, une montagne sacrée pour les Maasai. Il y a des gens qui vivent là, tu crois?
Ça, c'est plus de l'isolement, ça. Contrairement aux apparences, ces étendues ne sont pas si désertiques. Les deux tiers de la population du pays vivent en effet en milieu rural. C'est un lac ? Le lac de la Trombe. C'est quoi la taille de ce lac ? C'est magnifique. Tu regardes. Oh, les petits étangs qui vont se déverser dans le lac. C'est le volcan Lengai. Pour les Maasai, ce volcan est très important parce que c'est la demeure de leur dieu. Oh là 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 là, on va passer au-dessus là. On va le toucher presque. Oh mais oh là là, c'est dingue. Très impressionnant. C'est incroyable. Puis de voir comme ça, par les airs, en le dominant, c'est hallucinant comme expérience. C'est fou. Il va se poser. Ah, il y a une petite route. Oh là là, mais non, mais il ne faut pas se poser là. Il va se poser comme ça là, au milieu des arbres. Oh c'est un peu fou quand même. Tout à fait. Vous avez compris qu'on n'était pas totalement arrivé. Je sais pas, oui, je me dis... On va, on va repartir en voiture. D'accord, on continue en voiture, là, c'est ça? C'est fou. Il y en a pour 4 heures de voiture. 4 heures, quand même. Ça finit jamais votre truc, en fait. Tu vois, quand j'avais 12 ans. C'est fou, parce que là, on n'est pas dans un parc, on n'est pas dans une réserve. C'est fou. C'est pas dangereux, une girafe. De toute façon, elles vont avoir peur, elles vont partir. Vous avez vu la forme? Ça, comme elles se fondent dans le décor. J'ai pas vu tout de suite que c'était des girafes. Elles sont la même couleur que les collines derrière. Regardez la démarche, on dirait qu'elles marchent au ralenti. C'est beau. Oh, j'aimerais bien me rendre compte de leur taille. C'est magnifique. Incroyable. Plein de souffles, je sais pas, j'aimerais me regarder. Elles se sont toutes arrêtées, elles nous regardent toutes. J'en reviens pas. C'est froid. Pour préserver une faune exceptionnelle, 40% des terres tanzaniennes sont protégées. Le pays ne compte pas moins de 14 réserves naturelles et 15 parcs nationaux. Pour l'État, c'est une source de revenus, mais aussi de conflits avec les populations. Depuis des décennies, les Maasai sont contraints à quitter progressivement leurs terres ancestrales. Transformées en sanctuaires, elles attirent toujours plus de visiteurs. Mais à deux pas des circuits touristiques, nous découvrons ici l'une des plus belles régions de Tanzanie. Des étendues sauvages à perte de vue, riches d'une biodiversité extraordinaire. This is it. This is our end of the trip. I'm going to drop you here and hope your host will be here to pick you up. C'est le point de rendez-vous des zèbres aussi. C'est ça. Bye. Santé. See you later another time. So enjoy. Okay. Thank you. Have a good time. Bye. On va se mettre par là-bas. Comment? Oui, le point de rendez-vous, c'est là-bas, il nous a dit. Ça va être long.
Vous êtes sûr que c'était là le rendez-vous? Sûr, sûr. Que là, il n'y a personne de visible, hein? Non. Est-ce qu'il y a de l'onde derrière le rocher? Ah, je sais pas, j'aimerais bien. Ouh! On doit attendre là? Ouais, je crois. Alors? Toujours rien à l'horizon. C'est vrai, rien? Pourtant, tu dois voir loin, là. C'est une aubaine, ce petit rocher qui fait de l'ombre. Oh, c'est génial. Je vous dis, au pire, on campe là. Et on mange quoi? Du gnou? Une blanquette de gnou? Une blanquette de gnou? Ça fait pas rêver. J'ai un doute sur le point de rendez-vous. On a rendez-vous avec trois frères. Ah bon? Alors, je vais vous laisser mémoriser leur nom. Ngozila. Ngozila, facile. Mepukuri. Mepukuri? Ok, tu penses à Mpokora. Mepukuri. Ngozila, Mepukuri. Ngozila, Mepukuri. Nangunya. 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 Vous êtes de naturel impatient? Non, mais j'ai hâte, quoi. Ça, en fait, c'est de l'excitation, l'impatience, non? J'ai envie de rencontrer des gens. Et toi, ils nous attendent peut-être de l'autre côté du muret, et on les voit pas. T'imagines, on voit trois mecs assis là-bas sur un caillou qui s'impatient. Ils sont trois. C'est fou. Il y a des animaux, non, avec eux? Ouf, on n'est pas perdu. C'est génial. On vient nous chercher. Peut-être on va aller à la rencontre, non? Merci d'être venu. Merci d'être là. On est content de vous rencontrer. Nous aussi, on est content. Très content. Comment ça va? Très heureuse, très émue. C'est un grand bonheur de vous rencontrer. Merci, merci. Merci beaucoup. On va vous emmener avec nous et vous montrer notre Boma, notre village. Avec plaisir. Merci. On va vous présenter à nos familles, à nos femmes et à nos enfants. Merci. Merci. Vous savez, on est vraiment heureux de vous rencontrer. Donnez-nous vos sacs, on va les mettre sur les ânes. Vous habitez loin? Oui, par là-bas, à côté des montagnes. À côté des montagnes. C'est vaste. C'est intimidant. Ils sont venus jusque-là nous accueillir. Ils sont beaux, ils se ressemblent.
Après deux jours de voyage, trois avions et quatre heures de voiture sur des pistes chaotiques, la fatigue commence à se faire sentir. Et dans ces vastes plaines, par 41 degrés à l'ombre, les dernières heures de marche nous semblent s'écouler plus lentement. Je ne peux plus. Il n'y a aucun village visible. Il ne faut pas montrer signe de fatigue parce qu'ils ne comprennent pas, tu vois. Ça va ? J'en peux plus. C'est encore loin chez vous ? Oui, mais on est presque arrivé. Ça veut dire, en temps à peu près, on peut donner une échelle ? On ne connaît pas vraiment la distance. Mais t'inquiète pas, on arrivera avant le coucher du soleil. Comme c'est très très vaste, on ne se rend pas bien compte en fait. Si c'est là ou là-bas ou encore plus loin. Notre village est à côté d'un gros rocher qui s'appelle le rocher du Babouin. Il ne faut pas tarder. Quand on va arriver, on va te présenter à notre babou. C'est le chef du village. Il faut le respecter. Le babou va te dire bonjour. Et toi, tu lui répondras « Écho ». Tu dois te baisser et présenter ta tête en signe de respect. Il mettra sa main comme ça, tu vois. Et toi, tu réponds « Écho ». C'est beau comme nom, babou. Toi, tu te laisses toucher la tête. Mais par contre, toi, Frédéric, tu dois serrer la main à tout le monde. Il ne donne pas sa tête au babou, Frédéric. Non, un homme, jamais. Et toi, tu serres la main seulement quand tu rencontres une femme. C'est tout. Je vais m'en souvenir. Merci d'expliquer avant pour nous. Merci. Comment on dit merci ? Haché. Haché ? Haché. Haché. Haché ou haché ? Haché. Haché. Allez, il faut y aller maintenant. Quel ne débat. Je sens que merci, on va bien s'en rappeler. C'est pas très rassurant, c'est vaste quand même comme échelle de marche. C'est encore loin, mais on est bientôt arrivé. C'est ça. Dans ce concept, il n'y a aucune info. C'est ça, en fait. C'est beau, Astor, cette lumière, là. On dirait une apparition. Une apparition. Une oasis. On va te présenter à notre babou. Papa. N'oublie pas de baisser la tête. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Écho. Ça va bien? Écho. Merci beaucoup. Voici notre père à tous les trois. C'est aussi le chef de la Boma. Vous vous appelez comment? Mélissa. 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 Frédéric. Frédéric. Voici ma mère, Nalepo. C'est ma mère, mais pas celle de mes frères. On est enchantés de vous rencontrer. Merci à vous de nous accueillir. Je vais vous présenter le reste de notre famille. Venez. C'est un truc de fou, quoi. Sopai. Et pas. Écho. Voici Naningoy, c'est ma femme. Et là, c'est Okelumbot, la femme de Mepukori. Et ici, c'est Mbotor. Moteur, enchanté, moteur. La seconde femme du babou. Écho. Écho. Elle, c'est Raïli, la femme de Mepukori. La deuxième femme. Et... voici Nayala, la première femme de Ngozila. Nayala. Et là, c'est Nandomon, une autre femme du babou. Encore ? La troisième ? C'est notre famille.
D'accord. Haché, merci de nous présenter à tous et de nous recevoir. Eux, ce sont les Moranes. Ce sont nos guerriers, nos soldats. Ils veillent à la sécurité du village. Ils nous protègent, surtout contre les animaux sauvages. Ah, il y a des animaux sauvages ? Ah oui, 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 beaucoup. C'est quoi les animaux sauvages qui peuvent vous menacer ou venir jusqu'ici ? Des hyènes. Ah oui, les hyènes, c'est pas bon, ça. Et des léopards. Les léopards ? Oui. Eux, ils viennent pas très souvent, mais ça arrive parfois. Mais il y a 2 jours, une vache a été attaquée par une hyène. Si une vache ou une chèvre se perd, alors là, c'est aux guerriers Moranes d'aller la chercher. Mais est-ce que nous, on peut rencontrer des léopards ou des hyènes si on se balade, si on se promène ? Dans le village, vous risquez rien. Mais vous éloignez pas trop dans la brousse. Moi, je compte pas m'éloigner des Moranes, personnellement. Oui, vous inquiétez pas. Nos guerriers sont là. Voilà ta maison. C'est là que je vais dormir ? C'est ça. C'est vrai ? Haché, merci beaucoup. L'autre, c'est pour toi, Frédéric. Et moi, je dors dans la maison du milieu. Je serai là pour vous protéger. Merci beaucoup. Et à côté, il y a aussi la maison de la femme de mes Poukoré, Raïli. Juste là. Merci, super. On est très content que vous soyez là. Vous venez de visiter notre Boma. Vous avez rencontré nos femmes et nos enfants. Vous verrez, ici on vit en harmonie. Vous avez tous plusieurs femmes ? Moi j'ai 2 femmes. Comme Mepukori et comme Godzilla. Et toi, Frédéric ? Tu as plusieurs femmes ? J'avais une femme, mais on s'est séparés. Ça n'a pas marché. Et pourquoi vous vous êtes séparés ? Est-ce qu'il y avait des problèmes entre vous ? Ou alors peut-être qu'elle était trop vieille ? Ah non, elle n'était pas vieille du tout. C'est ton père qui a choisi ton mari ? Non, c'est moi qui suis allée voir mon papa. Et je lui ai dit, papa, j'ai choisi mon mari. Je te le présente, c'est lui. J'ai attendu de trouver le bon mari. Et j'espère le garder toute ma vie. Et tu as combien d'enfants ? 2 enfants. Un garçon, une fille. Mais tu es jeune pour avoir 2 enfants. C'est gentil, je suis pas si jeune que ça, mais c'est gentil. Haché. Merci beaucoup. Okay. Allez-y, mangez. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as cuisiné pour nous ? Ça s'appelle de l'ougali. C'est ce qu'on mange tous les jours. C'est un plat préparé avec de l'eau, de la farine de maïs et du lait. C'est très bon, merci. C'est très bon. Merci. Ne peux pas. C'était 4 enfants ? Les 3 petits sont mes enfants. La grande, c'est ma nièce. D'accord. Ils ont quel âge ? 1 an, 6 ans et 8 ans. Et ta nièce ? 12 ou 13 ans. Tu as des enfants magnifiques. Merci. Et toi, tu as quel âge ? Je pense que j'ai 25 ans. Tu penses que tu as 25 ans ? Tu connais pas ta date de naissance ? Non ?
C'est les gens du village qui m'ont dit mon âge. On n'a pas l'habitude d'avoir des invités comme vous. En général, on reçoit que des Maasai. Ici, quelqu'un qui reçoit des invités est considéré comme une bonne personne. Et ça porte chance. Alors merci d'être là. Je suis contente parce que vous allez découvrir nos vies. Vous avez l'air fatigué. Vous avez fait une longue marche aujourd'hui. Ça. Vous allez bien dormir. Voilà, regarde la taille des toiles d'araignées. C'est des mastodontes, je pense, les araignées là. C'est le lit là. Pourquoi c'est si profond là? D'accord. Ah ouais, génial, ils ont fait ça avec des bouts de bois. Peut-être qu'il vaut mieux pas éclairer. Mais ça fait peur là. J'ai une petite appréhension pour la nuit. C'est-à-dire? Je sais pas, je préfère être dehors qu'enfermé là où on voit pas ce qu'il y a en dessous, à côté. C'est quoi, peur des bestioles? Tu vois, la taille des toiles d'araignée quand même, elles sont grosses. J'ai pas peur. Hein. C'est pas parce que vous me dites fort que vous avez l'air convaincu. Hein. Mais je vais... Le tout perceuse. Pas la peur, peur, c'est juste que. Non mais s'il se réveille pas et qu'il y a des hyènes ou je sais pas, des léopards qui rentrent. Parce que les morales, là, ils sont peut-être crevés au moment où ils dorment. Et moi, ma case est beaucoup plus près du danger que la vôtre, je remarque. C'est fou d'être là. C'est dingue. À dormir. Non mais là c'est bien, le matin c'est calme. Les bêtes elles ont dû partir, il n'y a plus de bruit. C'était des vaches juste là. T'as l'impression qu'on dort avec elles. Moi je suis rendu compte en faisant pipi dehors parce qu'en fait. Qu'il y avait des vaches. Je croyais que j'étais cachée hein, avec elles là. J'étais dans l'enclos je crois. Bon, petite nuit. Petite nuit mais super. J'étais bercée par les pleurs des bébés. Vous avez entendu tous les bébés? J'ai rien entendu. Je viens de réaliser que le cri des chevreaux, là, ça ressemble à des hurlements de bébés. Et en fait, je me suis inquiétée toute la nuit, alors que c'est des chevreaux qui vont très bien, en fait. Non, mais il faut écouter, hein. C'est un cri très proche du bébé, très souffrant. Venez, on va s'occuper des chèvres. Oui, on y va. Mélissa, est-ce que tu aimes la soupe de chèvre? Moi, je mange tout. Ou alors, sinon, est-ce que tu préfères manger le gras du mouton? Oh là là, le steak ou la soupe, c'est mieux. La soupe. Alors, on va préparer une soupe. Tu verras, la soupe, c'est bon pour toi. Non, exactement, super la soupe. On tue toujours une chèvre pour souhaiter la bienvenue à nos invités. Et on va vous préparer la soupe qui vous redonnera de la force après le long chemin que vous avez fait hier. Merci beaucoup. On est très touchés par ce geste. On a choisi une chèvre pour vous. Ah, oh, c'est celle-là? Ouais. Ah, oh, petite biquette. Ah bon, vous êtes sûr? On n'assiste pas quand il la tue, hein. Ah oui, mais je peux pas.
Ça vous fait pas de la peine de la tuer quand même? Non, ne t'inquiète pas, elle va pas souffrir. D'accord. Bon, moi je vais rester là. Je vous regarde de loin. Chez nous, c'est un peu bizarre parce qu'on adore manger de la viande, mais on n'est jamais là quand les animaux sont tués, donc on n'est pas habitué à voir l'animal mourir. C'est le rôle des guerriers Moran de tuer la chèvre et de préparer la soupe. Ils ont une technique pour tuer les chèvres qui ne les fait pas souffrir. Non, mais je vais pas leur manquer de respect, moi je peux pas regarder. Oh, elle va hurler en plus, non? Mmh. Ah, peut-être qu'il l'endorme un peu en l'étouffant. Ah, tu vois, elle est sonnée. Je crois qu'elle est morte. Elle est morte? Ah, ça y est. Comment vous l'avez tuée, en fait? Comme ça. Voilà, étouffée. Mmh. Étouffée. Petit à petit, l'animal perd connaissance et meurt. On n'aime pas égorger les animaux. On abat une chèvre pour les fêtes, mais aussi chaque fois qu'une personne en a besoin. Par exemple, pour une femme qui vient d'accoucher. C'est si elle est malade, si elle est faible? Oui. Normalement, 3 jours après la naissance, on abat une chèvre pour elle. Et la femme doit boire la soupe pour reprendre des forces. Mais cette soupe, on dirait une soupe magique. T'as remarqué qu'elle donnait de la force, vraiment, aux êtres humains? Dans cette soupe, on mélange la viande avec des plantes qu'on trouve dans la brousse. Avec ça, on peut guérir toutes sortes de maladies. Là, on fait une soupe tranquille. Une petite soupe d'accueil, quoi. Je vais tester votre force avec une petite course jusqu'au village. Allez, retour, bien sûr. Tu blagues? C'est pas loin. Après la soupe, peut-être j'aurai des pouvoirs magiques. On va essayer. Soupe magique, je prends. Et toi, Frédéric, tu es prêt à courir? Mais très doucement, alors. On court tout doucement. C'est pas mal, son soupe. Et tu remarques, pas essoufflé du tout. Vas-y, là. T'es pas essoufflé? C'est parce que je bois de la soupe. Je suis impatient de goûter cette potion magique, dis donc. Ouais, tu seras plus fort après. Mais il faut attendre un peu. Comme le veut notre coutume, notre babou va lire l'avenir dans les entrailles de la chèvre. Tu dois bien observer les intestins. Les veines représentent les pistes autour de notre boma. Et les petits caillots de sang, ce sont les gens. Je peux voir si l'un d'entre eux est malade. Si c'est le cas, je vais le prévenir et il se soigne. Mais là, tout va bien pour le village. Tout va bien. La chèvre est en bonne santé, on peut la manger. Je fais pas ça. Attends. Les bruits. Boire le sang comme ça, ça rend fort. Tu devrais goûter. Oui. Là, comme ça, cru. C'est bon pour nous. Vous devriez essayer aussi. Moi, j'aurais adoré goûter, mais il n'y en a plus. Ah, comme c'est dommage, Frédéric. Peut-être la prochaine fois. Haché. C'est bon, hein? C'est très bon. Mmh. Vous mangez de votre côté, et les guerriers, les Moran, ils mangent de leur côté, c'est ça? Oui, chez nous, chaque classe d'âge mange de son côté. La chèvre est coupée en morceaux, et ensuite, elle est partagée selon la classe d'âge. On a différents groupes d'âge chez nous, et les Moran, c'est le groupe des jeunes qui ont été circoncis en même temps.
Il a quel âge, ils sont circoncis? Vers 15-16 ans. 16 ans, 15 ans, c'est grand. Chez nous, la circoncision, c'est les tout petits, les bébés ou les petits garçons, pour pas qu'ils sentent trop la douleur. C'est tard, 15-16 ans. Chez nous, on le fait quand les jeunes sont capables de faire les mêmes travaux que les hommes. Il faut qu'ils soient capables de garder le bétail, nourrir les vaches, les soigner quand elles sont malades, ou encore abattre une chèvre. Et c'est vrai que ce jour-là, les garçons doivent faire preuve de courage face à la douleur. C'est bon, très bien. Juste après la circoncision, les jeunes deviennent des guerriers moranes. Ils vont pouvoir se marier parce qu'ils sont considérés comme des adultes. Et lorsqu'ils auront environ 30 ans, ils vont devenir des jeunes anciens. Toi, t'es un jeune ancien déjà, non? Oui? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font les moranes derrière? Ils finissent de préparer la soupe aux herbes qu'on va boire après. La fameuse soupe magique. Regardez, je mélange. Ça, c'est de la technique. Hein. C'est quand même étrange, cette couleur. Hein. C'est pour ça que je suis très étonné de votre enthousiasme et l'idée de goûter. Non, mais je vois mal comment on peut couper, là. C'est génial comme passoire naturelle, ça. Ouais. Assez, Nalé. Merci beaucoup. Bon, écoute, vaut mieux pas s'en tirer, il faut y aller. Oh mon Dieu, non, c'est pas buvable, je vous jure. Il a... La vérité, c'est pas bon. J'ai pas de mots qui me... Je sais pas ce que ça me rappelle, mais ça me rappelle rien que je connais. C'est un goût persistant, en fait. Pardon. C'est trop fort. Quand on n'a pas l'habitude, c'est très 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 fort. Hein. C'est un goût très très acre. C'est très acre. Non, c'est bon. C'est super, je vais courir vite là. On va où, Rémi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher du bois. Chercher du bois? C'est pour moi ça? Chercher du... casser du bois. Oui. Echo. Echo. Ah, vous marchez vite, hein, les filles? Oui, comme d'habitude. Allez, on y va. Ma pie, je me souviens. On y va. C'est vous qui cherchez le bois, c'est les femmes. Oui. C'est un travail d'homme, ça, normalement. Ici, c'est le rôle des femmes. Et pendant ce temps, vos maris vous font à manger. C'est ça? Non, ils coupent du bois aussi. Mais pas pour la cuisine. Ce bois, très résistant, sert à fabriquer les enclos. Placé autour de la boma, il protège le bétail contre les attaques des animaux sauvages. Tu tapes pas assez fort. Pourtant, t'as bu de la soupe. Attends, je te montre. Pousse-toi, je vais te montrer. Laisse-moi faire. À 40.
Tiens, à toi. Tu tapes comme un enfant. Oh, la descente, ça va être quelque chose avec le bois. Mon Dieu, comme c'est beau. Oh, mais c'est dingue. Oh, mais c'est fou. Il faudra que je vous montre ou que je vous dessine à peu près où on vit pour que vous compreniez. Et vous, vous avez tout ça. Et tout ça, c'est à vous. C'est ici que je suis née. C'est ici que j'ai eu tous mes enfants. Mes filles sont parties loin pour se marier. Mes fils, les guerriers Moran, ont choisi de partir loin dans les montagnes. Loin. Très loin. Mais moi, je reste là parce que c'est la terre que j'aime. C'est ma terre. La terre de mes ancêtres. Je resterai ici jusqu'à ma mort. C'est très beau chez toi. C'est quoi ce drôle de bijou? Ça vient d'un autre pays, d'Inde. Tu vois, ça fait du bruit. Merci. Hachène, allez. Merci beaucoup. Comme ça, on fait pareil, un petit peu. Toi, tu m'as donné le blanc. Moi, je te donne celui-là. Ça porte bonheur aussi. C'est joli. Ouais. Ça, on est un peu pareil, regarde. J'ai les tiens, t'as les miens. T'as un regard qui est perçant. Tu quittes pas du regard comme ça. C'est un regard d'un guerrier, ça. On t'a appris à faire ça? Oui, j'ai appris à regarder l'ennemi comme ça. Avec ce regard et ma lance, si quelqu'un me menace, je peux le faire fuir. Si un jour tu croises un lion ou une hyène, tu dois le regarder droit dans les yeux. Il ne faut pas fermer les yeux. Il ne faut surtout pas cligner des yeux, même si tu as peur. Tu dois t'approcher de lui sans le quitter du regard. Si tu montres ton dos, tu es mort. Tu sais, je suis un guerrier. Toi aussi, je dois te regarder comme ça. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te tuer pour autant. Allez, il faut finir de couper le bois. La nuit va tomber. Si le bétail rentre et qu'on n'est pas là, les hyènes risquent d'approcher et d'attaquer le village. Donc, faut y aller. Vous faites ça tous les jours, non? Une fois par semaine. Une fois par semaine. C'est physique, hein. C'est sûr. D'accord. Ça va comme ça? Oh! Waouh! Ouais. Vous êtes balèze. Tout ça. Ça va? Oui. T'es sûre? Oui, oui. Mais moi, je peux le porter comme ça, non? Ah, mine. Sur le dos? Oui. Voilà. Merci à toi de nous avoir aidés. Merci beaucoup. Merci, moi. Merci.
C'est bon. C'est sucré, c'est bon. À votre santé. Merci. Pardon. Et pourquoi vos femmes, elles ne boivent pas le thé avec nous? Parce que Mepukori n'a pas le droit de boire du thé ou de manger devant les femmes. Alors que Nengunya et moi, on peut. Il n'a pas encore la permission. Il doit attendre. Oui, je dois attendre que ma femme décide de me donner une vache pour avoir le droit de manger avec elle. Dans notre tradition, il y a beaucoup de règles et d'étapes à respecter. D'accord. En fait, c'est symbolique. Elle décide du moment où elle t'offre la vache, quand elle aura décidé que tu l'as méritée. Oui, c'est ça. J'attends simplement qu'elle prenne sa décision. C'est comme ça. Je ne vais pas la forcer. Oui, il faut suivre la tradition. Pour nous, les Maasai, le respect, c'est vraiment quelque chose de très important. Et on ne peut pas être respecté si on n'a qu'une seule femme. Pour être un Maasai respectable, il faut avoir combien de femmes? Il n'y a pas de règle. Mais moi, par exemple, je voudrais 6 épouses. Moi, je pense que 4 femmes, c'est bien. Mais c'est aussi un signe de réussite et de richesse, d'avoir plusieurs femmes. Oui, bien sûr. Avoir plusieurs femmes, c'est un signe de prospérité chez nous. Parce qu'il faut avoir beaucoup de bétail pour avoir beaucoup de femmes. Et puis, comme elles travaillent avec leur mari, elles contribuent à la richesse des familles. Votre père à tous, donc l'ancien, Babou, qu'on a salué quand on est arrivé, il a eu combien de femmes et il a combien d'enfants? Il a 6 femmes, mais l'une d'entre elles est morte. Et il a 30 enfants. Oui. Eh oui, on a beaucoup de frères et sœurs. On est 9 frères en tout. Et comment ça se fait que vous trois soyez les plus proches? Parce que tous les trois, on s'aime beaucoup. On aime être ensemble et on s'entraide tout le temps. C'est grâce à ça qu'on a réussi dans la vie. Ceux qui ne s'entraident pas ne sont pas capables d'aimer les autres. Ça va les gars? Bien dormi? Vous avez bien dormi? Eh ben, j'ai dormi une petite heure, je pense. Quoi, une heure? Ouais. Parce que ça vit toute la nuit, en fait. Moi, quand ça vit, ben, je vis aussi. Mais je vais m'adapter, hein. Je vais arriver à moins dormir. Non, j'ai eu ma récompense en allant faire pipi ce matin. Je suis partie ce matin un peu plus loin, là, juste là, et j'ai fait pipi avec 5 girafes. Non. Là, j'avoue qu'on oublie tout de suite qu'on n'a pas dormi de la nuit. Mais pourquoi? Est-ce que t'as bien dormi? Oui, j'ai passé une bonne nuit. Comme d'habitude, je me suis levé plusieurs fois pour veiller sur le village et les troupeaux. Et toi, tu as bien dormi? J'ai bien dormi, une heure, je pense. Mais comme vous, super, patate. Et positive. Je suis allée faire pipi, j'ai vu 5 girafes, là, juste à côté du camp. Génial. Tu n'as pas de girafe chez toi? Ah non, chez nous, on fait pipi, on voit pas de girafe. Chaque matin, les chèvres sont conduites vers les pâturages. Mais avant de partir, les petits sont séparés des adultes. Ils passeront la journée dans un enclos, à l'abri des hyènes. Bravo, hein. C'est la crèche ici. C'est la nurserie. Ça y est, ma biquette, je te mets à la crèche, regarde. Allez, va jouer. À ce soir, hein. Sois sage. Ouh là là, la pauvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été attaquée par des hyènes. Ça s'est passé dans la journée? Non, c'était la nuit, il y a 3 jours. Elle a réussi à sortir de l'enclos pour aller chercher son veau qui s'était échappé. Elle a hurlé tellement fort que ça nous a réveillés. Je suis parti avec d'autres guerriers et on est arrivé à temps pour la sauver. On a eu de la chance, car parfois, on ne retrouve que la tête.
Pour la soigner, je dois lui enlever les bouts de chair qui sont infectés. J'ai pas l'habitude de regarder ça. Moi, j'ai l'habitude. Et puis, il faut bien que je soigne ma vache. Quand une vache meurt, on la pleure. C'est comme si on perdait un membre de la famille. Pour les Maasai, le bétail est infiniment précieux. Selon leurs croyances, tous les troupeaux de la terre leur appartiennent. Leur dieu Enkai leur en a confié la garde. Pilier de leur culture, ils représentent également toute leur richesse. Les animaux apportent depuis toujours la viande et le lait au quotidien. Et sans bétail, un homme n'est rien. Son prestige se mesure ainsi à la taille de son troupeau. Pourtant, les grands cheptels se font de plus en plus rares dans la région. En cause, le manque de terre et donc de pâturage. Conséquence, les Maasai ont dû s'adapter pour survivre. Certains font désormais commerce de leurs animaux, parfois même jusqu'au Kenya voisin. Une vraie révolution culturelle. Bonjour Mélissa. Salut les filles. Bienvenue dans la maison, Mélissa. Reste avec nous. Donc c'est là ta maison, Raëli. Oui, c'est même moi qui ai construit cette maison, avec du bois et de la bouse de vache. J'ai coupé le bois, mélangé la terre avec de la bouse de vache pour recouvrir les murs. Et puis j'ai fabriqué le lit avec du bois et de la peau de vache. Tu dors là la nuit avec tous tes enfants? Vous vous mettez tous ici, sur la peau de vache? Oui, comme ça. Tous? Tous ensemble? Et quand il y a ton mari? Eh ben, je dors avec mes enfants sur le lit. Et mes poukouris dorment par terre, là-bas. Mélissa, pourquoi tes sourcils sont comme ça? Eh ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mes sourcils? Chez nous, il faut se raser la tête. Et puis tu vois, on se rase aussi les sourcils. Ah bon? J'ai pas... T'as pas de sourcils? Non. Ah oui? Et pourquoi faut raser les sourcils? C'est la tradition Maasai. Oui, c'est notre tradition. Il faudrait te les raser aussi. Là et là. Non, ça c'est pas possible. Mélissa, on va aller chercher de l'eau. C'est loin, alors il faut se dépêcher pour arriver avant qu'il fasse trop chaud. Tout à l'heure, tu as dit que c'était pas loin d'aller chercher l'eau, et là, tu as dit que c'était très loin. Oui, mais si je t'avais dit que c'était très loin, tu n'aurais pas voulu venir. Coquine. C'était pour te motiver. Maline, moteur. Marcher est une nécessité absolue en pays Maasai. 2 heures de trajet nous attendent, et ce jour-là, le parcours est rendu difficile par la chaleur écrasante. Les femmes du village, elles, l'empruntent chaque jour, durant les mois les plus secs, soit presque 5 mois par an. Ah, ça y est, on est arrivé, je crois. C'est ça? Ça y est, c'est là? Wouhou! De l'eau! Oh là là, ça donne envie d'aller la toucher. Elle est chaude! Très chaude. Nous sommes en début de saison sèche et les points d'eau se font déjà rares. Ici, c'est une source qui remonte à la surface. Mais en traversant la terre, le précieux liquide s'est chargé du sel naturellement présent dans le sol. Les Maasai boivent cette eau par nécessité, avec forcément des conséquences sur leur santé. Car pour trouver de l'eau douce, il faut marcher encore plus loin et se rendre dans le village le plus proche, à 6 heures de marche de chez eux. Ah,
Et c'était magnifique de vous entendre. Vous chantez souvent tous les deux? Oui. On aime beaucoup chanter ensemble. En vous regardant, moi, je vous trouve très complice, très amoureux. Alors que vous ne vous êtes pas choisi au départ. Oui, pour nous, le mariage signifie l'amour. Mais c'est vrai, on a appris à s'aimer après avoir été unis par notre Dieu et nos parents. J'ai vite réalisé que Raëli était une personne très importante dans ma vie, mais aussi pour tout le village. D'ailleurs, c'est une des premières personnes de la Boma à avoir fait des études. Il y a beaucoup de choses qu'elle sait que je ne sais pas. Et grâce à ça, elle conseille les gens du village. Tu sais, c'est Raëli qui m'a appris à écrire. Depuis tout petit, je ne faisais que garder le bétail et je ne savais même pas écrire mon nom. Grâce à elle, maintenant, je sais écrire et ça m'aide beaucoup dans ma vie. Tu vois, quand les gens instruits parlent ensemble ou écrivent, je ne me sens plus laissé de côté. Tu sais, la vie, c'est comme une porte fermée et on a besoin de la clé pour l'ouvrir. La clé, c'est l'éducation. Je veux que mes enfants soient capables d'ouvrir cette porte pour ne pas rester bloqués derrière, comme je l'étais avant. Il faut que mes enfants étudient le plus longtemps possible. Parce qu'aujourd'hui, une personne n'est rien sans éducation. C'est important qu'ils connaissent autre chose que notre vie. Toi aussi, mais pourquoi tu voudrais que tes enfants aient à l'école longtemps? Oui, bien sûr, c'est ce que je veux. Tous mes enfants seront éduqués. Aucun d'entre eux ne sera laissé de côté. Mais s'ils veulent tous faire des études, les enfants, ça coûte cher les études. Ici, on n'a pas de banque, bien sûr. Notre seule richesse, c'est notre troupeau. Alors moi, je suis prêt à vendre une partie de mon bétail pour que mes enfants aillent à l'école aussi longtemps que possible. C'est ce que j'espère pour tous vos enfants. Mélissa, demain, on part très tôt pour une longue marche, jusqu'en haut de la montagne. Là-haut? Ah oui? À pied? Oui, on va marcher toute la journée, on arrivera dans la soirée. Mais t'inquiète pas, on fera quelques petites pauses sur le chemin. On pourra se reposer un peu. Tu crois que je vais être capable? Je suis pas sûre d'avoir votre condition physique. Tu y arriveras. Tu n'es pas complètement Maasai, mais... je suis sûr que tu peux le faire. Et puis on sera là pour t'aider. T'inquiète pas. Magnifique. Après ça, tu seras des nôtres. Yes. Merci. Merci d'aller. Merci beaucoup. Mais tu es déjà notre petite Maasai. Ça va? Ça va? On a un super cœur là. Hein? Tu vois? La montagne là-bas. On va monter tout en haut. Elle est quand même très haute, hein. Ne pense pas à la route à faire. Vous avez compris ce qu'il a dit, hein? Arrêtez de penser à ce qui suit. Pense au pas devant toi. Je vais faire ça. Salut, Aya. Tu dois avoir quoi, 5 mois, 6 mois, un peu plus? Alors que nous, t'as vu tout ce bins pour emmener un bébé? Acheter 2 bouteilles de lait, la poussette, porte-biberon, les lingettes. Et là, il part dans la montagne. Mais c'est ça, j'ai pas le biberon d'eau, on peut pas y aller. Aïe, ça fait du bien de voir ça.
Cela fait maintenant plusieurs jours que nous partageons le quotidien de Mepukuri, Naingunya, Ngozila et leur famille. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment eux arrivent à échapper à la famine qui frappe si souvent la région. Ils s'apprêtent à partager avec nous le secret de leur survie, un secret bien gardé à presque 1500 mètres d'altitude. C'est exceptionnel, hein ? Tu vois ce volcan là-bas ? C'est là que vit notre dieu. On l'appelle Enkai. Il a des soucis ce matin, il y a des nuages quand même au-dessus du Enkai. En fait, les nuages protègent notre dieu qui vit à l'intérieur du volcan. Quand il est fâché, il crache du feu et des pierres, c'est très dangereux. La fumée et les cendres peuvent tomber jusqu'ici. C'est terrifiant. Pour le calmer, on sacrifie une bête. On monte le plus haut possible et on tue une vache. On ne la mange pas. Seules les créatures de la montagne peuvent le faire. Frédéric, tu t'es assis parce que t'es fatigué? Tu sais que chez les Maasai, c'est considéré comme un signe de faiblesse. Non, je suis pas fatigué du tout, c'est juste que je suis très impressionné par le paysage. T'es fatigué, mais tu veux pas le dire. T'as deviné. Ça va, Mélissa? J'en veux plus. J'ai mes jambes, là, je sais pas comment elles avancent encore. Demandons une pause, hein. Mélissa, on va faire une pause, parce que tu as l'air vraiment fatiguée. On va s'arrêter un peu. On a fait pratiquement la moitié du trajet. Et on doit se reposer, nous aussi. On a fait seulement la moitié, là? Pas tout à fait, mais presque. La route est longue pour monter jusqu'en haut de la montagne. Ok. Il ne faut pas que tu te décourages. C'est un très long chemin, mais je sais que tu es forte. Tu vas y arriver. T'es gentil. Tu comprends maintenant pourquoi il faut manger de la soupe de chèvre? Elle donne de la force. On comprend mieux. C'est sûr, je comprends beaucoup mieux. Raïli. On peut aussi insister pour apprivoiser l'âne. Il y a un âne qui s'ennuie, hein, il a rien sur le dos. C'est pas possible. Les ânes ne portent jamais les personnes. Et encore moins si elles sont en bonne santé, comme toi. Ils portent des gens seulement quand ils sont blessés, très malades ou morts. Ok, donc je vais espérer ne pas finir sur l'âne. J'ai compris. En avant, courage. Frédéric, Mélissa, on est presque arrivés. Vous voyez la Boma là-bas? C'est là que nous allons. Hihi, je le vois. Tu as réussi. On l'a fait? Oui, bravo. Regardez d'où on est parti. Hé, hey, on a fait ça. Tout en bas. On a été des marathoniens. Je suis super fière. Bravo. 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 Merci. Bravo. Et merci parce que vous nous avez beaucoup poussé. Ma pie. Ici, tu pourras voir qu'on n'est plus seulement des éleveurs de bétail. Quand on ne comptait que sur l'élevage,
La vie était trop difficile. Mais maintenant, avec l'agriculture, on peut échapper aux famines en cultivant des haricots et du maïs. Je vous ai maudit aujourd'hui, quand même. C'est vrai? Après l'arrivée, on oublie tout, c'est sublime, c'était dingue. Mais franchement, c'est... Je me suis regardé un moment en me disant, mais qu'est-ce que je fous là? Non, j'avoue que c'était dur pour moi aussi, parce que c'est très pentu, ça dure très longtemps. La chaleur... C'est la folie. Le cadeau, c'est l'arrivée. Exceptionnel. Et savoir qu'on va se réveiller là, quand même, dans cette vue. C'est un décor de cinéma. Si on arrive à sortir du lit. Si on arrive à sortir du les lit. Les courbatures. Ouais, c'est ça. Et eux, ils viennent deux fois par mois. Ouais. C'était joyeux, ce voyage. En fait, ce qui fait plaisir à voir, dès que c'est mixte et qu'ils sont ensemble, parce qu'on a fait quand même beaucoup de choses chacun de notre côté. Et là, ce voyage, de voir que ça riait autant. Et qu'ils rient entre eux, c'est vrai. Ouais, ils font des blagues entre eux, ils sont très solidaires et joyeux, ils sont complices. Alors qu'il y a une belle-mère, deux belles-sœurs. On transpose ça chez nous. Vous imaginez la balade que ça peut donner, ça finit en pugilat. C'était beau, ça, à voir. Ouais, ça. Et vous vous sentez de travailler dans les champs demain? À chaque jour suffit sa peine. Il n'y a que comme ça que je tiendrai jusqu'au bout. Donc si on pouvait juste là avoir quelques heures de sommeil. Dans tous les cas, la nuit va être bonne. Hein. La nuit va être bonne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez vous endormir en 14 secondes? Je pense. Bon, faites de beaux rêves. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Longtemps. J'ai peur de pas m'en souvenir. Je veux l'imprimer. Les grands espaces comme ça, je trouve que ça rend humble. Mais c'est sûr. C'est sûr qu'on se sent minuscule. C'est quoi qui vous a ému? Bah tout. Trop de trucs en même temps, trop de choses en même temps, trop de décharges. Babi, Babi. Nos bébés ont beaucoup pleuré cette nuit. Ils étaient très fatigués. Ah, mais la marche hier. À cause du froid aussi. Il faut te couvrir plus. Merci. Plaisir de vous voir travailler tous les six ensemble, enfin
les couples réunis dans le travail, là, c'est chouette. Oui, c'est vrai. On aime bien travailler ensemble. Tu sais, ici, dans le travail comme dans la vie, on n'est jamais seul. Je sens toujours autour de moi ma famille, mes voisins, mes amis. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, on ne peut jamais se sentir isolé. On est toujours entouré. C'est très difficile d'être abandonné dans nos sociétés. Notre communauté ne permettrait jamais que ça arrive. Le partage fait partie de notre manière de vivre. Il est essentiel à notre survie. Ça, c'est pas bon, comme maïs. Non, non, jette-le. Tu vois, cette année, la récolte est bonne. Je suis très heureux parce qu'on aura assez à manger. On pourra même partager si d'autres familles n'ont pas fait de bonnes moissons. Quand j'étais petit, il y a eu la famine et on a eu beaucoup de morts dans le village. On a perdu aussi beaucoup de bétail et même les animaux sauvages sont morts. On a dû partir dans la montagne à la recherche de pâturage. On a dû beaucoup se déplacer pour retrouver des points d'eau alors que tout le monde était très faible. Les vaches étaient tellement affamées qu'elles ont même commencé à manger leur propre bouse. Cette terrible famine a été causée par une sécheresse dans les années 70, une tragédie qui a considérablement fait évoluer le mode de vie de nos hôtes. Pour la première fois, ils se sont tournés vers l'agriculture, délaissant la savane pour les hautes terres fertiles. Un bouleversement sans précédent pour ces pasteurs Maasai qui ne pouvaient concevoir autre chose que l'élevage. Une fois encore, face aux événements, ils ont su s'adapter. Un jour, mon fils est parti. Il a disparu pendant 7 ans. C'était avant qu'on se mette à cultiver. On avait eu une saison tellement difficile que mon fils a dû partir chercher du travail au Kenya. Il a disparu pendant si longtemps que je pensais qu'il était mort. Alors un jour, je suis partie le chercher, dans cette direction, tout droit. Mais toute seule ? Oui. Toute seule. Avec mon Dieu, Nkai. J'ai voyagé jour et nuit. J'ai fait tout le chemin à pied. Un enfant, c'est la chose la plus importante pour une mère. J'étais prête à mourir pour lui. Je ne pouvais plus attendre, sans rien faire. Assise dans ma maison à penser à lui, je ne pouvais pas imaginer qu'il meure sans avoir rien tenté. Est-ce que tu as fini par le retrouver ? Oui, je l'ai retrouvé. Il était très sale. Ses habits étaient déchirés. De le voir comme ça, j'en ai tellement pleuré que je me suis effondrée. Quand il m'a vue, il a tourné la tête. Il avait honte que je le voie dans cet état. Puis finalement, il est venu près de moi. Mais il n'a pas voulu répondre à mes questions sur son absence. Il ne m'a rien dit. Aujourd'hui, je suis heureuse, car il est parti vivre avec son petit frère. Leur Boma est loin d'ici, mais je suis rassurée parce qu'ils se soutiennent. Je suis sûre qu'ils prennent soin l'un de l'autre. Ils ne sont plus seuls. Ma paix, Frédéric. Vous avez une belle récolte, hein? Ça fait plaisir. C'est un peu grâce à Siombo si cette récolte est bonne. Parce qu'ils s'en occupent très bien. Moi, ce que j'aime le plus, c'est regarder mon maïs pousser. Il m'arrive même de dormir au milieu de mon champ. Je vais tout là-haut. J'aime quand les premières feuilles sortent. Parce que pour moi, ça veut dire que je vais pouvoir nourrir ma famille. En fait, t'es pas un guerrier, Moran. T'es un super agriculteur qui adore ses terres et son métier. Oui, c'est vrai, on peut dire ça. Thank you.
Prête pour 5 heures de marche? Ah, dans ce sens-là, je sais pas pourquoi je l'aborde autrement. Devant cette vue, on s'en reparle dans 5 heures. J'ai hâte de retrouver les enfants. Je pense qu'ils vont vous faire la fête. Il manque, hein? Il faut juste bien remuer. Ça pique les yeux. Hey Raëlle, quand est-ce que tu comptes offrir une vache à ton mari, Mukuri? Un jour. C'est pas le moment encore. Bientôt, je pense. En fait, je comprends qu'il y a beaucoup de traditions, il y a des classes d'âge. Les garçons, on a compris qu'à la circoncision, ils devenaient des hommes, ils changeaient de classe d'âge. Comment ça se passe pour les filles? C'est pas pareil. Pour les filles, il n'y a pas de classe d'âge. Les petites filles grandissent librement. Et plus tard, quand elles sont prêtes à être mariées, elles sont excisées. Mais vous, vous l'avez subi ou pas? Oui, toutes les deux. Moi, mon père, il m'a donné en mariage tout de suite. Il m'a pas envoyée à l'école parce que sinon, il savait que j'aurais refusé l'excision. Et toi qui as été à l'école, Raëlle, est-ce que t'as aussi subi l'excision ou pas? Oui, parce que mon père suivait la tradition. Ça vous gêne que je parle de ça? Oui, on est un peu gênés. Mais on aime bien que tu t'intéresses à nous. Et puis ce qui nous fait rire, toutes les deux, c'est que ça te gêne toi aussi de parler de tout ça. Mais nous, tu sais, on veut plus de tout ça. Maintenant, je pense qu'il faut que les choses changent. Oui, les Maasai changent, ils évoluent. C'est une pratique des anciens qu'il faut vraiment abandonner. L'excision, c'est tellement douloureux. Et c'est très humiliant. Nous ne voulons plus de ça pour nos filles. Il faut qu'elles puissent choisir elles-mêmes ce qu'elles veulent faire. C'est pour ça qu'on doit envoyer les filles à l'école. Là-bas, on leur expliquera bien ce que c'est que l'excision. On leur dira à quel point c'est douloureux. Comme ça, elles pourront décider. On ne pourra plus les obliger. On ne veut plus que nos filles souffrent. Si on envoie les filles à l'école, les professeurs peuvent expliquer aux parents que l'excision ne doit plus être pratiquée. Les filles ne comprennent rien à ce qui leur arrive. Elles souffrent atrocement et perdent beaucoup de sang. Et ils expliquent aussi aux parents qu'il ne faut pas marier les filles trop jeunes. Parce que si elles sont trop jeunes, ça peut être dangereux pour elles d'avoir des enfants. Et elles doivent aussi pouvoir choisir leur mari, elles-mêmes. C'est pour ça que l'éducation, c'est la clé de tout. C'est important pour nos enfants. C'est ce qui va faire changer les mentalités et faire évoluer les vieilles traditions Maasai. Ça fait plaisir d'entendre tout ça. C'est vrai, j'avais tout compris, je trouve. On est contentes, nous aussi. C'est chouette. Mélissa, je vais te montrer comment on porte les bébés ici. Donc, je pose pour ma petite sur le dos. Je mets le tissu dessus, ok, avec un nœud. Ok, un bras, un nœud. Et tu fais un nœud. C'est tout?
T'es bien là derrière moi ou pas? C'est génial. Il faut que je m'entraîne un peu pour voir si j'arrive à supporter longtemps. Hey, baby. Tu es très belle, Mbota. Il te faudrait de beaux bijoux autour de ton cou et à tes oreilles. Alors moi, je peux mettre une boucle comme ça? Enfin... Il faut que tu fasses un grand trou dans tes oreilles. Comme ça, tu rentreras chez toi encore plus belle. Naningai, elle veut que je rentre chez moi rasée, sans sourcils, avec des grands trous dans les oreilles. Ouais, je vais regarder ce que je peux faire. Non, non, mais vraiment, c'est bien, déjà. Il faut agrandir ce trou. J'aurais pas le temps, malheureusement, d'agrandir le trou. Tu vas voir. C'est bien plus beau avec un grand trou quand on danse. On aurait dû faire ça au début. Mais ça, c'est à toi, ça. Parce que t'es belle avec tous tes bijoux. Tu sais, beaucoup de choses changent aujourd'hui pour le peuple Maasai. Notre famille va bien. On est tous en bonne santé. Et on a suffisamment de bétail pour vivre longtemps. On prend soin de nos troupeaux pour nous et pour nos enfants. Toi, tu as choisi le mode de vie traditionnel des Maasai, celui de tes ancêtres. Est-ce qu'un jour dans ta vie, tu t'es posé la question de savoir si tu devais l'abandonner pour aller vivre en ville? J'aime ma vie comme elle est. Pourquoi est-ce que je voudrais changer ma vie et vivre ailleurs? Ici, je trouve tout ce dont j'ai besoin. L'eau, les pâturages, les montagnes. Donc personne ne me fera quitter ma vie ici pour aller vivre en ville. Et sûrement pas pour de l'argent. Certains jeunes qui sont allés vivre dans les villes reviennent totalement changés. Et d'autres pas. Certains ramènent de bonnes choses à leur famille, mais d'autres reviennent avec de mauvaises idées en tête. Parfois, ces jeunes nous disent de ne pas nous percer les oreilles, de ne pas apporter nos bijoux, de ne pas nous raser, de ne pas porter nos habits traditionnels. On n'accepte pas les gens qui veulent changer toutes nos traditions. On est tous différents et on doit s'accepter les uns les autres comme on est. Je pense que certains enfants qui vont à l'école vont sûrement abandonner nos coutumes. Mais il y en a d'autres qui resteront dans nos villages pour maintenir nos traditions. Chez vous, ça doit être pareil. Certains partent et d'autres restent. On ne peut pas généraliser et dire que tous les enfants instruits vont abandonner leurs coutumes. La tradition est dans notre sang et les gens ne changeront pas complètement parce qu'ils ont eu la chance d'aller à l'école. Même s'ils deviennent docteurs ou professeurs, la tradition Maasai coule dans leur sang. Cérémonie exceptionnelle se prépare. Demain, 5 jeunes Maasai vont vivre probablement l'événement le plus marquant de leur existence. Ils vont être circoncis et devenir ainsi des guerriers Moran. Pour les honorer, les femmes confectionnent de nouveaux bijoux qu'elles porteront à cette occasion. Mélissa, tu montres ce que t'as fait? Voyons. C'est bien ou pas? Ouais, il est très bien fait. Pourquoi tu dois partir demain? Parce qu'il faut que je retrouve mes enfants quand même, sinon ils voudront plus me parler si je reviens pas. On est vraiment contente que tu retrouves tes enfants, mais nous on est triste que tu nous quittes. Tu vas vraiment nous manquer. Non, il faut pas que ce soit très triste. Il faut qu'on ait le sourire parce qu'on va se revoir et qu'on garde les bons souvenirs. On gardera de très bons souvenirs de toi et de Frédéric. On pensera à vous tous les jours et vous resterez dans nos cœurs. Calling me back alone. I don't feel right lying here
Tu vois, Mélissa, pendant ces jours que tu viens de passer avec nous, on t'a raconté nos vies et on t'a montré notre façon de vivre. Alors on aimerait bien savoir si ça va t'aider quand tu seras rentrée chez toi. Oui, ça va m'aider. Ça aide à prendre le temps, d'être contemplatif. Nous, on ne prend pas le temps de regarder ce qui nous entoure, de passer du temps aussi avec sa famille. Parce que vous, je vous ai observé, c'est ce que vous faites. Et nous, on est tellement dans une urgence de remplir nos journées que parfois, on ne prend pas ces temps-là qui sont très précieux. Donc ce que je vis ici, ça m'aidera à être plus patiente, à être plus endurante et à avoir beaucoup de joie aussi. Et toi, Frédéric, qu'est-ce que tu penses ? Moi, je retiens plusieurs choses. Je retiens que je me sens très, très bien quand je suis avec vous, alors qu'on ne se connaissait pas il y a encore quelques jours. Et puis, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, on a des modes de vie très différents. Et donc, pour vous, on est des inconnus. Pour nous, vous êtes des inconnus au départ. Et finalement, on s'aperçoit qu'on se ressent beaucoup, qu'on ressent souvent les mêmes choses, dans les mêmes situations. Alors, quand tu vas entrer dans ton pays, tu vas te sentir un peu comme un Maasai. Peut-être il voudra 8 femmes, il va choquer tout le monde en rentrant. Ah oui, 8 femmes, c'est pas mal. Justement, on avait un petit conseil à te donner. Toi, notre ami qui est maintenant un peu Maasai. Tu sais, avoir une seule femme, ça peut poser des problèmes. Eh bien nous, on te conseille d'en prendre au moins 2. Comme ça, si l'une des 2 s'en va, il t'en restera une et tu te retrouveras pas tout seul. Eh ben voilà. Eh ben voilà. T'as trouvé une réponse. Maintenant, j'ai la solution. C'est dans cette maison que les garçons sont circoncis. Tout le monde danse pour fêter ce moment. C'est un peu comme une deuxième naissance pour eux. Pour moi, c'est un moment très important parce qu'ils vont devenir des hommes et que je considère ces garçons comme mes propres enfants. Je comprends. D'accord. Belle fête. Lorsqu'un homme devient morane, il entre dans l'une des périodes les plus exaltantes de sa vie. Des années paradoxales, rythmées par de nombreux interdits, mais aussi par une très grande liberté, entre gravité et insouciance. C'est un privilège rare de pouvoir vivre de l'intérieur une telle cérémonie. Un honneur qui nous est accordé en guise d'adieu, alors que nous vivons nos derniers moments aux côtés de nos hôtes. Ces instants magiques sont la quintessence de tout ce que nous avons partagé avec eux. Nous avons découvert un peuple aux antipodes des clichés qui ont fondé le mythe Maasai. Ces guerriers nous ont ouvert leur cœur avec une sincérité et une sensibilité extraordinaires. Et après 2 semaines à partager leur quotidien, il nous est difficile d'imaginer que nous les quittons dans quelques heures. Votre état d'esprit ? Ben, le cœur un peu lourd, hein ? Les quitter après avoir passé autant de temps ensemble, quoi, avec eux, les avoir vus vivre, et puis en même temps, on les quitte tellement heureux, ils sont tellement harmonieux que c'est plus facile aussi de laisser des gens heureux. Il y a 15 jours, vous arriviez ici, vous connaissiez ni l'endroit, ni les gens. Mm-hmm. Et là, vous repartez 2 semaines après. Ben, je m'attends à voir des guerriers déjà. Donc j'avais un peu d'appréhension des guerriers Maasai. Je me faisais toute une idée de ce qu'ils étaient en fait. Et ils nous accueillent avec des lances, et il y a les moranes qui sont les guerriers. Donc c'est vrai qu'on a plein d'idées en tête. Ils sont polygames, ils ont une vie qui est évidemment très loin de la nôtre. Et puis en fait, on se rend compte qu'ils sont... Je sais pas, c'est les gens les plus doux que j'ai jamais rencontrés, quoi. C'est des bergers.
Quand je dis que ce sont des gens extrêmement doux, c'est qu'on est 10 fois plus violents qu'eux. C'est-à-dire ? Ils crient pas pour s'appeler, quoi. Ils se déplacent, ils ont un autre mode de communication, ils se regardent beaucoup et on est dans l'amour et le respect, quoi. Et puis en fait, c'est bête, mais il y a le partage qui donne du sens à leur vie. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, je repars avec cette idée, parce que nous, on lutte tous pour vivre un peu mieux. On a perdu le sens de la collectivité, on sait plus du tout ce que ça veut dire. On lutte pour ses enfants, pour son foyer, pour maintenir une vie potable ou plus confortable. Tout dépend où on se situe. Mais eux, ils sont heureux quand ils partagent, donc ils ont besoin de peu. Et ils ont tout compris. Nous, on peut pas revenir en arrière, mais on a envie qu'ils préservent ça. Il y a des nouveaux outils, ils vont envoyer leurs enfants à l'école, ça c'est fabuleux. Et en même temps, il faut qu'ils préservent leur valeur. Ce sens de la collectivité, de l'amour. On vit plus dans ce monde-là, donc ça c'est... C'est très beau de l'avoir partagé avec eux. C'est ça que j'emmène. Pokori, merci beaucoup. Vous serez toujours les bienvenus ici, toujours. Vous avez une très très belle boma et les gens sont en harmonie et vous y êtes pour beaucoup. C'est pas l'accueil. Je sais que ta communauté compte sur toi parce que t'as été à l'école et ils peuvent compter sur toi parce que t'es instruite et t'es une très belle personne. Et merci pour tout. Achenale. À très bientôt. Ok? But I'm blind. All the thrill behind the door, I'm not welcome nevermore. Yet I leave it too late. Find the way tonight. Let me see this time. Find the way tonight. This time.
ghost of the past walk along the wall of joy, stay there and move away. Dog on the road.